et heureux pour cette troisième partie de live. Alors, comme vous l'avez vu, nous avons vaincu le boss final, hein, qui était en fait Seven. J'avais déjà un petit doute dessus, hein, l'histoire transfert de skill, tout ça, ça me paru un peu bizarre. Surtout son expérience de transférer toutes les compétences des autres joueurs à elle. Voilà, un peu la grosse boss, hein, du coup. Là. Et Seven a appris qu'elle avait une petite sœur. Enfin, une grande sœur plutôt, hein, vu la taille, je suis une grande sœur. Donc on va continuer un petit peu des étapes. Mais avant toute chose, il faut que je trouve ce fameux PNJ pour la quête d'Excalibur. Et je pense qu'on va y arriver. Ah, il y a quelqu'un là-bas. Ah! Une séquence. Oh, je me réveille. スメラギ。1つ確かめたいことがあったんだ。お前、気候かとグルだったんだろ。え?あ、さ、本当に分かる気。突然何を言い出すかと思えば。訳が分からないな。レインがシャメロックの行動を把握していた理由を気候かから聞いたんだ。あいつはセブンの動向を自分がレインに流してるって言ってた。 総務省の役人が一プレイヤーの情報をどうやって手に入れるか。セブンは法に触れることはしていない。運営会社に情報開示を求めるのは一件行為だ。だから運営会社に手を回すよりもシャムロック内部のスパイがいるって考えた方が妥当だろう。そして一番適任なのがスメラギ。お前だ。お前だ。ああ、デビュー時、très du bruit court. お前だ。 C'est ça, je suis japonais, on reconnaît les origines. Smeragi Yota, Yoshi no Rikigaku no Kenkyusha ni shite, Nanairo Hakase no Migyude nan. Ah oui, quand même. Neurologie quantique. Ça va loin là, ça va très loin. Wow. Hitoka wa, Real de no Virtual de no Seven no chikaku ni umae ni kyoryuku o yosei shite, Douko o sagurasu tan da. お前はセブンに忠誠を誓ってたよな。でも、お前は気候家の手の者ではない。お前の真意はどこにあるんだ。セブンへの忠誠は嘘だったってことなのか。それは違う。確かに最初は彼女のことを研究チームの一員であり、観察対象だと思っていた。だが、 彼女の研究への情熱を見ているうちに、俺は心から応援したくなったんだ。気候家さんがやろうとしていたことは VR 世界の状況を把握すること、そして今後どのようになっていくかを見定めることだ。 J'ai rien raté, hein. Je suis juste parti faire la rencontre avec Smeragi. Et là, il explique qu'il est professeur en neurologie quantique. Enfin, c'est un chercheur en neurologie quantique. Hein. Et qu'il a été aidé par Kikuo afin de surveiller Seven sur son travail. もう俺がALOにいる必要はなくなった。ええ。今後この世界にログインすることはないだろう。あ、ben non, je perds un bon adversaire。お前と戦って分かった。俺はセブンを応援したつもりで、あの子から大事な何かを奪っていたのかもしれない。え？今の俺は。Mon Dieu, il sourit, incroyable。セブンが楽しそうなら。 Il arrête de froncer les sourcils. C'est un miracle. Qui c'est qu'il a? Oh my god. そうだな。少なくとも、お前と戦っている時は、
このゲームを楽しんでいたかもしれないな。俺はまたスネラ。ああ、ça me manque d'avoir des camarades comme ça。だからゲーム。ça me manque。この世界に残ってほしいんだ。Si je me souviens, l'équipe avec qui j'étais, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble et on a fini par se séparer vu que bah, le serveur donnait n'importe quoi et que chacun avait sa vie à gérer, sauf moi qui étais plutôt un gros hardcore gamer et qui le suis toujours. Kikouka-san から観察を依頼されていたのはセブンと、もう一人いたんだ。Qui donc ? え？一体誰が？ Attention, ça va couper. 貴様だ。あ！ Pourquoi moi ? Non, c'est 俺だ。まあ、そんなところだろうとは思った。聞くってみろ。貴様とセブンが接触し、ぶつかり合うことで何が生まれるのか。見たかった。あのおっさんあのおっさんめ少なくとも俺もお前と剣を交えてみて分かったことがある。あ、vous avez pas assez attendu? Attendez, hop. あのおっさんあのおっさんC'est génial ce truc. キリト。どこまでもこの世界に染め上げられた廃人ゲーマーだよ。ありがとうございました。はあ、知ってるよ。Et voilà. Donc Kirito a encore fait ses preuves dans le monde d'Alpha M, en combattant et terrassant le boss final. Enfin, plutôt un duplicat du boss final. Donc voilà. Alors, ben on va rendre nos quêtes. Pardon. On va aller rendre nos quêtes, hein, parce qu'il y en a encore quelques-unes. Et je suppose que je vais encore devoir affronter ce fameux boss. En mode quête. On va bien voir. Oui. Je sais pas en fait. Je sais pas si c'est fini. Il y a encore énormément de choses à visiter. Hein. J'ai vu que dans les trophées, le pourcentage en était à 41%. Donc, non, ce n'est pas encore fini apparemment. 1 sur 30, ouais, il me manque encore à faire. Ah ah ah, les quêtes bonus, on y est. Aïe aïe aïe, Grendel et Heidrun. Bon, mec, il faut y aller. Allez, il fait les gros yeux. Bonjour, je suis Kirito. J'aimerais bien qu'il débloque des nouveaux personnages pour le multijoueur. Et pour le online. Oh oh oh! Oh punaise, pas toi! Bonjour, au revoir! Niveau 500, oh putain, rien que ça. Rien que ça, rien que niveau 500. Le vent contre la glace est particulièrement efficace, hein, je vous rappelle. Oui. Parce que le feu ne fait pas autant de dégâts. Attends, ça pique un peu. Tu veux te rebattre contre moi? Eh ben vas-y, amène-toi. Ah oui, c'est vrai, je peux faire ça. J'ai oublié. J'avais oublié. Curia! J'ai pas fini! Wouhou! Il a pas perdu énormément de vie, hein! Ah tiens! Ah, Lifa, elle est en train de prendre du sacré dégâts, parce qu'elle est pas grand level du coup. Ah, elle est tombée! Rappelez-vous aussi que ce boss peut faire des attaques de glace hein, sur le sol. Donc restez toujours en dessous de lui à ce moment-là. Non, mais la tête dure en tout cas! Ouhou. Ah tiens, ça pique. Ah tiens, ça. Prends ça. Je me barre. Aïe. Ah,
Allez, hâte de bouger. C'est bon, j'ai pété sa brique. Aïe aïe aïe. Bon long. La caméra est un peu chaude des fois. Il prend des buffs qui va leur réduire son attaque magique. On le voit d'ailleurs, c'est Asuna qui lui a envoyé. De toute façon, il fasse moins de dégâts avec ses attaques. Hein. Ça va être très efficace. Où il va? Il va où comme ça? Tu promènes? On fait une promenade si tu veux tous ensemble. Hein. Comme tu veux, hein. Ne dérange pas. En tout cas, ma défense magique est bien améliorée. Ouais, si vous restez près de lui, vous n'avez aucun risque de vous faire toucher. Allez! Et après ces boss-là, on va attaquer le style d'épée à deux mains. On va attaquer les épées à deux mains, hein. On va commencer. Pour découvrir un peu des nouvelles techniques de Divas et Vébat et Vézébat. Oh bah punaise, ça se fait tout le temps bas, c'est impressionnant. Bah, vu son level, la poste est normale, hein. Elle est que 175. Et c'est un boss 500, donc c'est one-shot abusé. Oh non. Ouais, je me fais un peu péter. Je rappelle qu'il y a un deuxième boss après, hein. Donc je pense que c'est le dragon. Mais la récompense en vaut largement le coup parce que c'est un anneau en 6 frames, il me semble. Et je crois que c'est un anneau, ça, j'ai pas bien vu. Hein. Meurs pas, Alifa, meurs pas, meurs pas. Voilà, merci. Alifa n'a pas encore de... Aïe. Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais lui donner quelque chose. Parce qu'elle a pas énormément... Non, c'est pas ça. Elle a pas énormément d'items sur elle. Ouais, voilà, c'est mieux ce qu'il me semble. Alpha scintillant. Bon, j'ai plusieurs scintillants donc je peux lui donner un scintillant, voilà. Elle a pas de bouclier. Ah bon. Je suis étonné. Contre la paralysie, déjà ça va être parfait. Voilà. Déjà là, elle va mieux tenir. Allez, c'est parti. Voilà. Tu m'embêtes un peu, tu sais. J'arrive pas à l'avoir parce qu'il fait que bouger. Aïe. Protection contre les dégâts d'eau, évidemment. Très utile. Merci Asuna. Je garde ma synergie pour le prochain boss, hein, parce que il va être aussi pénible. Oh, t'es tout lent, c'est ballot. Regardez comme il se déplace. Je vais vous tuer. Ah, il... Aïe aïe aïe, j'aurais pas dû moquer de lui. Tiens-moi, Lifa, tiens-moi. Je me gave. Boss en mousse. Il va mourir, oui, non. Et pas mal cette attaque. Et voilà, premier boss vaincu. Oh. Oh non, pas elle. Oh mais c'est pas vrai, il faut toujours que je retombe sur toi. Oh le vaisseau, ça va piquer là par contre. N'oubliez pas qu'elle endort, hein. Donc elle est très difficile à battre. Bon, je vais commencer par le haut. Si je peux passer, s'il vous plaît. J'insiste, merci. Ouf, il fallait, il était chaud en 2-2. Elle a trop de vie, impressionnant. Attends. Sauvé. Tu vas pas t'en faire cette fois-ci. C'est bon, lui. Raté. Là, je suis resté à l'intérieur, c'est pas mal. Je suis resté à l'intérieur du boss, c'est pas mal. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est bon à savoir en tout cas. Attends.
Ah, même avec les boosts que je lui ai donné, elle est encore en train. Non, te mords pas. Oh, elle a énormément de vie, je sais pas combien là, mais elle en a. Je crois que même les boss finaux des RPG Fairy Tail n'ont pas autant de vie. Et pourtant ils sont hard. Hein. C'est du 3 contre 1 et c'est. Enfin 3 contre 3 pardon. Et c'est très difficile. J'arrivais à la toucher, voilà. Ah, je vais utiliser toutes mes potions sur elle. Tu me commences à me gaver, toi. Ouh. Bon, on va les calmer. Un petit coup de buff. Allez hop. Plus lente. Ça me rappelle un boss dans Devil May Cry 4. Le boss plante. Qui arrête pas de bouger dans tous les sens et qui se plante dans le sol à la fin pour vous attaquer. C'est le même genre. Sauf que là, c'est. Oh putain. Je suis en train de dormir. Allez, toi. Et le boss là, il est particulièrement pénible à vaincre avec Dente. Dente ou Neo, je sais plus. Je que c'est, ouais, je crois que c'est Dente. Je sais plus trop. Ah, j'utilise tout mes ultimates parce que c'est le seul moyen de leur faire autant de dégâts. J'ai pas assez de level pour leur faire énormément de dégâts avec de base. C'est le deuxième boss donc c'est bon, on peut gérer. J'aurais dû aller péter sa garde, ce serait parfait. Ah, commence à enchaîner les critiques là. Allez go. Yosh. J'ai évité de... Je me suis pas fait endormir, c'est déjà ça. Oh, oh, oh. Big. Ifa, elle a perdu son utilisation des sorts à cause du mute. Donc du coup, on va essayer autre chose. Ah, c'est bon, elle est KO. Donc on en profite. Et on avait la triple dose. Oh, ce qu'elle a mangé. Oh, ce qu'elle a mangé, c'était beau. On profite, hein, le temps que... Là, elle est fâchée. Donc, elle va faire 2-3 attaques. Voilà, même pattern, voilà. Olé! Alors elle finit en beauté. Ah tata! Ça pique un peu. Ah elle m'a baissé ma vitesse. Elle m'a baissé ma vitesse. Ah, non mais ça suffit la faute. Oh là je vais mourir. Oh sauvé. Maintenant ah, cela elle peut me résoudre. Elle peut me soigner plus rapidement. Ah c'est ce que je voulais faire. Ou pas. Et voilà, les deux boss ont été vaincus. Ça a été assez difficile. Hein. Et bien sûr, on va se tomber encore sur les autres boss. Hein. Les boss encore plus puissants. Alors là, ils étaient level 500. Là. Les autres, je pense qu'ils vont être 600, 700 hein, minimum. Ouh, une épée étrange. Ah, ça me plaît bien ça. Peut-être une nouvelle épée pour nous. Buerza, hein, évidemment, hein, il faut bien utiliser notre personnage de C4. On l'utilisera en mode online, bien sûr. Oui, j'ai fini ma quête. Niveau 4, hein. Ah non, niveau 5, carrément niveau 5. Ah, nice. Anneau d'harmonie. Alors, désolé. Anneau d'harmonie. Et, ça fait quoi? Augmente les PM max. Ça m'a remonté dessus, c'est pas grave. Ah non, résonnant. Ah oui, quand même. Ah, il y a une limite sur les PM ou pas? Pour les personnages. 5000.
Elle a quoi à nous raisonnant? Ça donne quoi la nous raisonnant? Pmax maximum, ok. Bon, bah c'était pas facile, mine de rien. Les deux boss d'affilée comme ça. Heureusement que j'ai du soin dans l'équipe, parce que sans soin, ça aurait été un petit peu plus difficile. LOL! Mais j'ai fini! Paquet. Hein. Et il faut que je le refasse. Oh là là. Ça va être chaud. Et ouais, il faut que je le refasse. À moins que je l'ai relancé, ça doit être ça plutôt. Bouletos! Ah, niveau 500, c'est le même. Déjà, on va le calmer un peu. Oh, ça passe juste à côté des fesses. J'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était mon truc habituel. Enfin, mon épée inhabituelle. Pas assez de dégâts. Oh, attention! J'arrête de tomber sur le dos, hein. Enfin, sur le genre. Ben, vous m'avez compris. Aïe! Si, ça sert à quelque chose. Ça me faire mal. Je vais utiliser mes ultimates en boucle hein, pour parler très vite. Ça sera fait. Oh la vitesse. Bah, ça va aller, déjà ça va beaucoup plus vite. Hein. Ok, c'est fort brisé. Faut pas du tout ce qu'il fait. Aïe, bonjour. Ah là, il est plus lent, donc on va pas lui là. Mais pourquoi toujours moi? Ça y est un peu. Alors toi, tu t'es mis dans une mauvaise position, mon gars. Oh, 1500. J'ai vu du 1500. Il y a pas mal de nouvelles techniques qui peuvent se débloquer avec le mode planage. Allez, il est bientôt mort. À bientôt, façon de parler. Hein. Péter ça. Défense. J'ai réussi à péter une grosse partie de défense, donc c'est bon. Oh, il reste presque rien. Eh, c'est bon, j'ai eu. Aïe, voilà la suite. C'est pas grave, ça me donne un peu d'expérience et de drop hein, en passage, donc c'est pas du mal hein, de le refaire. Parce que j'en ai vraiment besoin pour les prochains boss. Hein.
Allez, on y go. Seconde. Blocage. Parfait. What the? On a mis une baffe, je l'ai senti passer. Hein. Bon, tu veux se passer, s'il te plaît. Merci. Allez, Ned. Je laisserai pas fuir, Ned. Oh, j'ai réussi à l'avoir. J'ai réussi à les briquer, briquer sa garde. Enfin, briser sa garde, pardon. Ah, quoi? Ça passe à travers, what the fuck. Pas de gueuler, tu fais mal aux oreilles. On dirait Omnigule. Encore plus chiant d'ailleurs. Ah non, quoi comme Nigule, elle est horrible. Ils ont pris le modèle d'Omnigule. Elle après presque à pas gueuler. Ah, comme ça. Coucou, je suis là. À loupé. Aïe, ta ta ta, ça pique. Ah, vu qu'elle en fruit, elle va me faire dormir. J'ai fait l'attaque exprès pour esquiver les tirs. Parce qu'elle est particulièrement dangereuse. Ah merde. Je suis en danger. C'est bon. Je suis en danger maintenant. Elle a récupéré sa vie. What the fuck. Voilà, j'ai pas fait assez de dégâts, je crois. Je crois que c'est ça, j'ai pas essayé de faire assez de dégâts. Ah, c'est bon. J'espère qu'il récupère pas sa vie parce que j'aurais pas, je serais un peu embêté là. Elle a débuffé tout le monde. Là, je crois. Non, c'est bon. Mais oh. Arrête de bouger. Elle est bien plus embêtante que tout à l'heure. Quel béni va faire ça. J'arrive pas à la toucher, elle arrête pas de bouger, c'est assez pénible. Oh, ça c'est pas le truc que je supporte pas. Mode dodo. Ah bah elle m'a réveillé donc c'est déjà ça. Oh, et en plus elle baisse ma vitesse. Oh, mais chier. Bon, vous pouvez annuler le fait de perdre la vitesse par un boost de vitesse. Hein. Attends ma vieille, tu vas perdre un petit peu de vitesse. Ah là, là tu es calmé, tu vas pas m'embêter. Hein. Allez, tiens, je te donne un cadeau. C'est bon, je t'ai calmé. Apparemment non. C'est bon. Allez, calmez. Elle est où? Ah, j'ai raté. Je vais faire quelque chose de propre, j'ai même pas raté. Camara est un petit peu embêtant, hein, par moment. Ah oh, merde de bouger, par pitié. Tiens cadeau. Tu croyais quoi? Tu t'allais battre? Oh je suis que du critique. J'ai enchaîné le critique là. Je crois que ça va être plus rapide que tout à l'heure le combat. Ah là là, elle est plus rapide.
coco, je suis là. Allez, coup de grâce. Ouf. Elle me casse carrément la moitié de ma barre de défense. Allez, le coup de grâce. Ah, j'ai raté. Ça y est. Ouh. C'était tendu quand même. Hein. Katana étrange. Oh. Donc, quand ça commence à devenir du étrange et autre, ça commence à devenir particulièrement intéressant ce drop. Et voilà, bon, c'est bon. Hein. Renfort altération, renfort devant, nice. Je valide. Oh. On peut le refaire en boucle, la quête. Ah oui, on peut le refaire en boucle. Toutes ces quêtes-là, on peut les refaire en boucle, en fait. C'est pour ça. C'est pas mal, ça vous permet justement de recombattre des boss et vous faire encore plus, plus d'expérience de gains. C'est un bon truc. Bon bah voilà, allez. On va continuer un petit peu le mode histoire, hein, parce que c'est pas fini encore. Toujours pas. On va vite fait chez Isbeth. Lisobas. Ah, Isbeth. ホントにエロを辞めちゃうのかな。何もゲームをやめる必要なんてないのに。じゃあ。キリとはライバルに卒業されて寂しいんだね。まあ、そのうち気が向けばログインしてくることはあるだろうって。そうね。 色々あったとはいえ、これで一件落着じゃない。でもちょっとまた今回の一件を踏まえて色々と見直すところがあるんじゃないかな。レクトの運営も今回は騒動が起きることもなくおさまったから、セブンちゃんも不問になったみたいだけど、これからはどうしなければならないか、もっと事前の対策が必要なんじゃないかしら。 気候家も似たようなことを言ってた。SAO、ALOの2つの事件を踏まえて VR 世界の光と闇が見えた。やっぱりそこに存在するのはプレイヤーという人だからな。でも今回、気候家さんの采配って大当たりだったよね。まあ、内心気に食わないけどね。あいつの手のひらで踊らされてるみたいじゃない。 なんとなく。ああ、そうだな。<笑>そう愚痴らない。<笑>でもキリト君をALOに誘導して、裏ではレインちゃんに、スメラギさんから得たセブンちゃんの情報を伝えて、結果うまく運んだのは事実だよね。いや待て、 よくよく思い返せば、俺は悪魔で自分の意思でALOに来たんだ。あいつの口車に乗ったわけじゃない。そんなにムキにならなくても分かってるって。本当かよ。あ、すまんみんな、俺行かなきゃいけないところがあるんだった。あ、何キリト君、どこ行っちゃうの。デビネ。あ、なあ、お前の大事な人のところだよ。 まあ、すぐに本人からちゃんと話があると思うから楽しみにしておけ。7位は。え、何を言ってるの？わからないからちゃんと説明して。あ、 peut-être du copyright encore. Attention. Oh. Ah, le mec de café. ご主人様、お一人ですか？はい。はい、1名様ご帰宅です。
あの… この店で働いてる唐達さんってこう今いるかな。ご主人様？ここはそういったご指名などが出ているお店ではないですか？ご主人様、 c'est mon maître. こちらのお席へどうぞ。メニューは後ほどまた、お伺いしますので。レインはスバルと攻略後、全くログインすることはなかった。何度かメッセージも送ってみたが、返事も一向に返ってこなかった。あいつ、この店辞めちゃったのか。何ですか、ご主人様。 その別れた女の子とが忘れられないとでも言いたげな寂しげなお顔は。Vous la reconnaissez cette voix, hein? Tada! Oh, elle est toute mignonne. まさか来てくれるなんて思わなかったな、キリト君。プリビエット。レイン、じゃなかった。リアルではカラタチニジカさんだよな。うん。 このお店のメイドさんネームではレインの名で通っているのです。お。そうか。じゃあ引き続きレインと呼ばせてもらうよ。ご主人様の仰せのままに。Commencez pas à baver. レイン、もうレールオンには戻ってこないのか。 ちょっと厳しいかな。SAO の一件でお母さんに散々迷惑かけたし、これ以上 ALO で遊ぶのはちょっとね。それに言ったでしょ、私妹の七色に会うために ALO にログインしたって。確かに。もう会えたし問題も解決したし、 これ以上入る必要もないかなってさ。うん。レイン、お前が寂しそうに何か話している時は大体嘘をついてる時だ。え？本心を押し殺して話してる時、お前は大体そういう顔をするんだ。聞こえねえ、どういうキリト。そうかな。日神でセブンを見に行ったのだって全部嘘だったわけだ。 ラストダンジョン攻略中にも嘘をつくなんてどうかと思うぞ。いや、別に嘘じゃないって。最後にセブンに対してまくし立ててた内容、あれを聞けばお前がどれだけ妹を心配してたか誰だってわかるさ。つまるところ、お前はあの子を守るためにエールオーにやってきた。お、そういうことだったんだ。はあ、キリト君、 J'appelle une chose pour les idoles, hein. Elles ne peuvent pas avoir de petite amie. Hein. C'est interdit. Sinon, le gouvernement japonais a des méthodes assez radicales pour punir. Vous avez vu Brekebi 48, hein. 何かいろいろ祭り上げられてさ、巻き込まれてるあの子見てたらちょっと痛々しくなっちゃってね。でいろんな気持ちが混ざったまま気づいたら私 VR 世界にログインしてた。でシャムロックに入ろうとしたんだけど嘘がバレて速攻で追い出されちゃって。 菊岡さんとは入院してた時に面識があったから、家族のことを打ち明けてせめて妹の情報が追えないかってダメ元で頼んでみたんだ。それで内々に教えてもらったってわけか。うん。でもほら、
姉って言っても別に一緒に暮らしてたわけじゃないし、あんまり姉らしいこともしてないからね。見守れたらくらいのつもりだったんだけどね。いや、あの時レインはちゃんとお姉ちゃんだったと思うさ。ありがとう。俺がセブンを止めようとした3つ目の理由も似たようなものだからな。え？ 3 つ目の理由何かあったの？単純な話だよ。セブンのゲームに対しての姿勢、いや、言ってることが気に入らないだけだ。ん？どういうこと？セブンがエールオにログインしたのってクラウドブレインの研究のためって言ってただろう。どんな目的があってゲームをしようと個人の自由があるさ。純粋にエールオを楽しもうと思ってやってきた俺としては気に食わないんだよ。いや、世界中のゲーマーを敵に回す行為だ。俺だったらどんな目的があったってゲームを楽しむことも忘れないのに。でも？あいつの本心にはやっぱりあったんだ。子供らしくてゲームを遊びたくて周囲に期待されて無理していた気持ちが、いろんな思いを混濁させながらも結局大人であることを優先してた。セブンに対してじゃない、そういう状況に対して。キリト君熱いね。もちろん別にいいだろ。でもありがとう。あとな、さっきお前が言った言葉、これも嘘だって俺にはもう分かってるぞ。え？もうエールオにログインする理由はないって言っていたけど、あるだろ。え？ないよ。だって七色のことはもう一件落着したと思ってるし。まだ。違う。お前はあの世界が好きなんだろ。え？そもそも相当のオンラインゲーマーじゃないと SAO をやろうなんて考えないだろうし。レインは生粋のゲーマーなんだよ。 VRMMO の世界を愛しているんだ。同じゲーマーの俺が言うんだからそれは間違いない。じゃなきゃ妹に自分の遊び場汚すなだなんて言わないだろ。C'est sûr qu'avec ses expériences, si elle avait réussi, elle aurait complètement gâché à Halo. Ça aurait pas été génial, n'est-ce pas? Kirito-kun. SAO de Anna Meni a été occupé à Halo, ni haïre le pakubo de Marias. Ma, so comme on est. Et vu que Raina s'y apprend à plonger dans SAO, elle savait ce qui allait se passer.最初から君がそういうやつだと思ってた。え？あの時俺の索敵スキルをかいくぐったスキル、あのスキルのレアリティを調べてみたんだ。うん。あれって相当レアな装備じゃないとつけられないものだったよ。あんなスキルのついた装備をソロプレイヤーが早々にゲットしてたのか、まさに寄り込みゲーマーである証なんだよ。いやはや、キリト名探偵にはかないませんな。全くその通りだよ。でもね、やっぱり私は ALO にはもう戻らないよ。私やっぱりアイドルとして夢を追いたいの、成功したいの。七色には相当先を越されちゃったけど、歌ってコンサートをして、いやな、僕はジャポンかめん、そして多くのファンに熱狂してもらいたい。キリシスパーレモン、それが私の一番の夢だから。い
Il y en a qui font ça que pour le succès, il y en a qui font ça pour la passion. これからはそのために自分の時間を精一杯使いたいんだ。だからね、キリト君がもしここに訪ねてきてくれたら、このお店も辞める。そのつもりだったんだよ。そうか。これから私は本当のアイドルを目指すよ。歌の勉強もたくさんするんだ。 オーディションもたくさん受けてみる。まあ、最初は失敗ばかりだろうけどね。分かった。寂しくなるけど、それがレインの夢ならこれ以上は言わない。それにね、今またALOに戻っちゃうと、そこで簡単に出会える妹に真実を言っちゃいそうな気がして。言えばいいじゃないか。ダメ。 やっぱり私言えない。ちゃんとあの子と対等になってから、この現実の世界でアメリカに行ってね。<笑>じゃあ俺からも条件を一つ、最後に一つだけ俺の頼みを聞いてくれないか。え？レインとセブン、君ら姉妹には今回相当恩を売ったつもりなんだ。 一つくらい。ああ、ささる根性やめんでよ。私これから一体どんな恥ずかしめを受けるのでしょうか。何でもないのか。<笑>バカなこと言うなよ。<笑>もう一度エールオンに来てくれないかな。だから私は行けないって。都合のいいタイミングでいいからさ、草原で待ってるぜ。<笑>じゃあな。 Hop, retour sur Hello. Ah, message. Message. On va faire la petite pause. Dernière pause hein, avant la fin du live. Julia, on a eu chaud, dis donc. Pendant un moment, j'ai bien cru qu'on allait perdre, mais je suis content de ne pas avoir abandonné. Heureusement que tu étais là, toi aussi. J'espère qu'on pourra continuer de compter sur toi. J'avoue qu'elle a pris une sacrée baffe. Désolé du retard, je suis là comme promis, je t'attends dans la plaine, il n'y a personne d'autre quand... Donc ça me fera vraiment plaisir que tu viennes tout seul aussi. Enfin, ça ne te dérange pas. Ah, et vous aurez ça après la pause. Allez, en attendant, je vais aller gueuler sur mes voisins parce qu'ils m'ont cassé légèrement les pieds là, tapé comme des enculés. Pardon. Comme des imbéciles. Très gênant quand vous faites le mini-streamer d'avoir des voisins bruyants. Donc allez, à de suite.